Bonjour et bienvenue dans ce nouveau dialogue en français familier. Je suis Nathalie Porte et je suis là pour vous aider à parler un français plus authentique, le français comme on le parle vraiment. Grâce à ce dialogue qui s'appelle « Je sors de l'hosto », l'hôpital, vous allez apprendre à la fois un peu de vocabulaire médical extrêmement courant, mais aussi beaucoup de mots familiers, quelques expressions qu'utilisent beaucoup les francophones natifs aujourd'hui. Donc, je vous présente les personnages. Vous avez déjà rencontré dans les vidéos précédentes Léa, à gauche, et je vous présente aujourd'hui Marion, à droite. Léa et Marion sont deux amies, elles ont 23 ans, elles travaillent toutes les deux et vivent en ville. Le lieu de leur dialogue est une station de métro à Paris. Elles sont toutes les deux dans une station de métro et se rencontrent. Je vais donc maintenant vous faire écouter le dialogue. Je vous propose de bien vous concentrer, de faire uniquement cela. Concentrez-vous bien sur le dialogue. C'est un dialogue à vitesse normale. Il n'y a pas de sous-titres. Vous devez vraiment vous concentrer sur votre compréhension orale. C'est un peu rapide, mais ne vous inquiétez pas. Ensuite, je vous explique toutes les phrases et tous les mots familiers. Donc, dans un premier temps, concentrez-vous sur votre compréhension orale, d'accord? Vous pouvez écouter même ce dialogue une deuxième fois avant d'écouter les explications. Faites cet effort, vous verrez que vous progresserez plus vite. Vous êtes prêts? On commence avec le dialogue? Allons-y. Salut Léa, comment tu vas? T'as pas l'air en forme. Figure-toi que je sors de l'hosto. Merde, je savais pas. Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai eu une intoxication alimentaire. J'ai chopé une sale bactérie dans la bouffe. Un truc carrément pas cool. Et t'as dû aller à l'hosto pour ça? Ouais, le toubib m'a pas laissé le choix. J'étais complètement à plat. Il fallait me faire une perf et me surveiller de près. T'étais super mal alors? Ouais, l'horreur. J'arrêtais pas de gerber, avec de la fièvre à fond. J'avais trop mal à la tête et je tenais à peine sur mes jambes. Ah ouais, quand même. Et ils t'ont fait quoi, l'hosto? Des examens, puis après ils m'ont réhydraté non-stop pendant 3 jours. Ils m'ont passé plein de médocs dans la perf, surtout des antibiotiques et d'autres trucs pour le bide. Mais alors, t'avais vraiment une grosse infection. Ouais, une bien carabinée. Heureusement, le personnel était sympa. Les infirmiers, les aides-soignants étaient aux petits soins. Et ma frangine est venue tous les jours. Elle m'a bien chouchoutée. Cool. Et tu pouvais manger? Tu rêves. J'avais trop la gerbe. Rien ne passait. À peine un peu de riz blanc et de la soupe assez dégueu. Vois le côté positif, t'as fondu. Tu m'étonnes. Moins 3 kilos en 3 jours. Régime efficace. T'as repris le boulot, là? Non, je suis sortie de l'hosto hier et je suis encore en arrêt 3 jours. Faut que je me remette. J'ai pas encore la forme, je t'assure. Bon ben, courage alors. Vas-y mollo, prends soin de toi. Ouais, merci. Et toi, au fait, ça va? Je t'ai même pas demandé. Ouais, ouais, ça roule, la routine, rien de spécial. Ok, bon ben, à plus. Ouais, on s'appelle. Voilà, ce dialogue est terminé. Est-ce que vous avez compris de manière générale ce que se disaient ces deux amis? Est-ce que vous avez compris la situation? Est-ce que vous avez compris ce qui est arrivé à Léa? Comment elle se sent? Qu'est-ce qu'elle a vécu à l'hôpital? Ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas tout compris. Maintenant, je vais vous expliquer phrase après phrase. Je reprends le dialogue. Marion. Salut Léa, comment tu vas? T'as pas l'air en forme. Donc, t'as pas l'air en forme, on peut pas vraiment dire que c'est du langage familier. Ce qui est familier, c'est de dire t'as à la place de tu as. Tu n'as pas. Donc, le t'as peut remplacer 2 choses. Tu as ou tu n'as pas. Vous savez probablement qu'en langage familier, on ne dit pas le ne de la négation. Donc, c'est le cas ici. Donc, en fait, elle devrait dire
Tu n'as pas l'air en forme, hein, qui est contracté en ta. T'as pas l'air en forme. T'as pas l'air en forme qui signifie tu ne sembles pas en forme. Léa, figure-toi que je sors de l'hosto. Donc, bon, figure-toi, c'est quelque chose que l'on utilise beaucoup pour commencer une phrase, simplement pour comme un peu pour introduire notre phrase. C'est pas quelque chose qui se traduit dans une autre langue, en fait. Hein. C'est des petites habitudes de langage. Figure-toi. Et là, vous allez raconter ensuite quelque chose. Donc là, elle dit, figure-toi, je sors de l'hosto. Donc, je sors, hein, on entend je sors. En fait, c'est je sors, hein, le E ne s'entend presque pas. Et l'hosto, c'est l'hôpital. L'hôpital. Je sors de l'hosto. Marion, merde, je ne savais pas, qu'est-ce qui t'est arrivé? Bon, merde, je pense que vous l'avez déjà entendu, c'est pas très très joli, mais c'est quand même très très utilisé. Certaines personnes vont vous dire que c'est vulgaire. Moi, je dirais que ça dépend du contexte, hein, ça dépend de l'intonation aussi. Dans ce cadre-là, elle vient d'apprendre une mauvaise nouvelle de la part de son amie, donc merde, ça lui sort, ça lui échappe. On dit que ça lui échappe, en fait. Je savais pas, qu'on entend parfois ou je savais pas. C'est une je ne savais pas, comme je viens de vous l'expliquer. Hein, c'est la négation qui n'est pas prononcée entièrement. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ensuite, Léa, j'ai eu une intoxication alimentaire. J'ai chopé une sale bactérie dans la bouffe. Un truc carrément pas cool. Donc ici, j'ai chopé, c'est j'ai attrapé. Hein, on utilise beaucoup le mot attraper quand on parle d'une maladie, d'un virus, d'une bactérie. Donc j'ai attrapé quelque chose. J'ai attrapé un rhume. Et donc en langage familier, on va plutôt dire j'ai chopé. J'ai chopé. Une sale bactérie, donc sale, ici l'adjectif veut dire en fait quelque chose qui était un peu méchant, vilain, pas agréable en tout cas, hein. Donc une vilaine, une méchante bactérie. La bouffe, c'est la nourriture, d'accord? La bouffe, la nourriture, bouffer et manger en langage familier. Un truc carrément pas cool, donc un truc probablement que vous l'avez déjà rencontré, hein, c'est pour dire quelque chose, sans préciser quoi, on dit un truc. Donc quelque chose vraiment pas agréable. Carrément, en fait, est beaucoup utilisé dans le langage oral. C'est pour donner de l'emphase, de la force à ce que vous dites, accentuer ce que vous dites, d'accord? On peut le traduire par vraiment, vraiment. Pas cool, ben, pas cool, cool, je pense que vous connaissez aussi, hein, pas agréable. Donc, elle a eu quelque chose de vraiment pas agréable, un truc carrément pas cool. Marion, et t'as dû aller à l'hosto pour ça? Donc, tu as dû, encore une fois, la contraction hein, de ta. Et le pour ça, en fait, elle introduit le fait qu'elle est un peu étonnée que Léa ait dû aller à l'hôpital alors que c'était juste une petite bactérie ou une bactérie. Pourquoi aller à l'hôpital pour ça? Est-ce que c'est vraiment grave? En fait, c'est ça qu'elle veut dire. Hein. C'était assez grave? C'était nécessaire d'aller à l'hôpital? Léa répond, ouais, le toubib m'a pas laissé le choix. Donc, le toubib, c'est le médecin. Donc, le mot toubib est un nom d'origine arabe que l'on utilise dans le langage familier pour dire médecin. M'a pas laissé le choix, là encore, hein, vous voyez qu'on n'a pas le ne de la négation. Le toubib ne m'a pas laissé le choix, normalement. J'étais complètement à plat, donc être à plat, complètement à plat, c'est être vraiment épuisé, être faible en fait. Hein. Vous imaginez une batterie qui est presque vide, hein, à plat, plus d'énergie. Il fallait me faire une perf et me surveiller de près. Donc une perf, c'est une perfusion. Regardez ici ce que c'est qu'une perfusion, vous voyez. Donc on a fait une piqûre dans la veine, sur la main souvent. Et en fait, c'est relié à un médicament ou à de l'eau, de l'hydratation en fait. Donc voilà une perf, une perfusion. Je continue. Marion, t'étais super mal alors. Donc... Tu étais donc très mal, en fait. Hein. Le « alors » ici, elle introduit l'idée, en fait, d'une conséquence, en fait, par rapport à ce qu'elle a entendu avant, en fait. Hein. Avec ce que j'ai entendu avant, bah, je me dis donc que tu étais super mal. C'est la conséquence. Tu étais donc très mal. Ouais, l'horreur. Donc, l'horreur, beaucoup utilisée aussi, bah, c'est comme si elle disait « c'était horrible hein. ». J'ai vécu quelque chose d'horrible. L'horreur. On pourrait dire « c'était l'horreur » aussi. Ouais, c'était l'horreur, l'horreur. J'arrêtais pas de gerber avec de la fièvre à fond.
Donc, gerber, c'est vomir. Hein, donc, je vomissais tout le temps. Vous savez qu'on ne pouvait pas retenir ce que vous venez de manger et que ça ressort par la bouche, c'est vomir, gerber. Donc, j'arrêtais pas de gerber, je vomissais tout le temps. Avec de la fièvre à fond, c'est beaucoup de fièvre. À fond, hein, montre quelque chose qui est fort. Selon le contexte, le sens n'est pas tout à fait le même. Ici, ça veut dire qu'il y avait vraiment beaucoup de fièvre. J'avais trop mal à la tête et je tenais à peine sur mes jambes. Donc là, le trop signifie très, en fait. Hein. Dans le langage familier, on utilise beaucoup l'adverbe trop pour dire très. J'avais très mal à la tête. Je tenais à peine sur mes jambes. C'est une façon de dire, en fait, je n'avais pas la force de me tenir debout. Hein. Je n'avais pas la force. Je tenais à peine sur mes jambes. Marion, ah ouais, quand même. Et ils t'ont fait quoi à l'hosto? Le « ah ouais, quand même hein, » signifie que wow, on est vraiment étonné. Donc là, en fait, Marion mesure l'ampleur de la situation. Elle réalise, en fait, ah oui, que quand même, c'était assez grave. Quand même, hein, c'est un « quand même » qui montre, en fait, l'intensité, l'ampleur de la situation. Des examens, puis après, ils m'ont réhydraté non-stop pendant 3 jours. Des examens, donc des examens, ici, dans ce cadre-là, c'est des examens médicaux. Puis après, ça veut dire en fait puis ensuite en fait. Le puis après, en fait, c'est typiquement du langage familier. Non-stop, ça veut dire en continu, sans interruption. Ils m'ont passé plein de médocs dans la perf, c'est beaucoup de médicaments. Un médoc, c'est médicament. Et vous connaissez certainement plein de qui signifie beaucoup. Surtout des antibiotiques. Et d'autres choses, donc d'autres trucs pour le bide, c'est d'autres choses pour le ventre. Le bide, c'est le ventre. J'ai mal au bide, ça veut dire j'ai mal au ventre. Marion, mais alors, t'avais vraiment une grosse infection? Léa, ouais, une bien carabinée. Donc là, en fait, une bien carabinée, c'est comme si elle disait oui, une infection bien carabinée. Et en fait, bien carabinée, ça veut dire très fort, sévère. Elle a eu une infection sévère, une infection carabinée. Heureusement, le personnel était sympa, les infirmiers et les aides-soignants étaient aux petits soins. Donc, sympa, sympathique. Et être aux petits soins, ça veut dire prendre soin de quelqu'un, être attentionné. Donc, ils étaient aux petits soins, ça veut dire qu'ils ont bien pris soin de moi, ils étaient attentionnés avec moi. Et ma frangine est venue tous les jours. Ma frangine, c'est ma sœur. Et elle m'a bien chouchoutée, elle s'est bien occupée de moi, elle m'a gâtée. Elle lui a apporté des choses certainement, elle a fait en sorte qu'elle se sente bien à l'hôpital, elle a pris soin d'elle, elle lui a chouchoutée. Marion, cool! Et tu pouvais manger? Tu rêves! Donc tu rêves, en fait, dans ce cadre-là, ça veut dire, mais bien sûr que non, impossible. Imagine même pas une seconde que je pouvais manger, en fait. Tu rêves? J'avais trop la gerbe, donc en fait la nausée. Hein, on a vu tout à l'heure gerber qui voulait dire vomir. Avoir la gerbe, ça veut dire avoir la nausée, avoir envie de vomir. Rien ne passait. Rien ne passait, ça veut dire qu'en fait elle ne pouvait pas avaler, hein, elle ne pouvait rien manger. Elle n'avait vraiment pas envie de manger, ne pouvait pas manger, rien ne passait. À peine un peu de riz blanc et de la soupe assez dégueu. Dégueu, dégueulasse. Donc en fait, ici, le sens de dégueu est mauvais, hein, un mauvais goût. Marion, vois le côté positif, t'as fondu. T'as fondu, en fait, fondre, ça veut dire perdre du poids en langage familier. Donc tu as perdu beaucoup de poids, tu as fondu. Léa, tu m'étonnes, moins 3 kilos en 3 jours, régime efficace. Donc tu m'étonnes, c'est une façon aussi de montrer qu'on est complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Et on met beaucoup d'intonation, d'intensité dans le « tu m'étonnes ». Ah bah oui, c'est sûr, je te confirme, évidemment. Marion, t'as repris le boulot là? Alors, tu as repris le travail. Hein. Le boulot, c'est le travail. C'est comme si elle lui disait « tu as recommencé à travailler ». Et le petit « là », hein, ne parle pas du lieu, mais parle plutôt du temps. Hein. Là, dans le sens de « maintenant ». Aujourd'hui, là maintenant, tu as recommencé à travailler.
Léa, non, je suis sortie de l'hosto hier et je suis encore en arrêt 3 jours. Donc, non, non, hein, vous savez que souvent on prononce le non, non. Je suis encore en arrêt 3 jours. Donc là, on parle être en arrêt maladie. Donc, un congé pour raison médicale. Hein. Vous êtes malade, vous ne pouvez pas travailler, vous êtes en arrêt maladie. Faut que je me remette, je dois me rétablir. Je dois me rétablir. J'ai pas encore la forme, je t'assure. Le je t'assure, hein, c'est je t'assure, je te garantis. Hein. Elle veut vraiment lui montrer que vraiment elle n'a pas la forme. Je te garantis que je n'ai pas la forme, je t'assure. Marion, bon ben courage alors. Donc là en fait elle lui souhaite bon courage. Hein. On dit parfois juste courage pour dire bon courage. Vas-y mollo, ça veut dire en fait ne va pas trop vite. Hein. Prends ton temps, tranquille, vas-y mollo. Prends soin de toi. Ouais, merci. Et toi, au fait, ça va? Je t'ai même pas demandé. Donc là, il n'y avait rien de spécial en langage familier. Marion, ouais, ouais, ça roule, la routine. Rien de spécial. Donc le ça roule, c'est ça va. Hein, ça roule. Léa, ok, bon, ben, à plus. Ouais, on s'appelle. Le à plus, à plus tard. À plus tard que l'on contracte en à plus. Voilà! Je vous propose, en fait, si ça vous paraît très compliqué, avec beaucoup, beaucoup de mots, de réécouter le dialogue seul pour essayer de voir, en fait, si vous le comprenez mieux après ces explications. Vous pouvez aussi réécouter, évidemment, les explications. Ensuite, ce que je vous propose, c'est essayer de réviser tous ces mots et de vous évaluer. Pour cela, je vais vous proposer un quiz sur le blog. Donc, cliquez bien sur le lien qui s'affiche maintenant, que vous retrouvez aussi dans la description de la vidéo, pour faire le quiz, pour vous assurer que tous les mots que vous venez d'entendre et qui sont nouveaux pour vous, vous les avez assimilés, vous les avez mémorisés. D'accord ? Si le français familier vous intéresse, que vous voulez développer votre vocabulaire, mais aussi de manière générale votre compréhension de cette manière de parler orale avec les amis, je vous propose de voir mes autres vidéos. Il y a déjà une dizaine de vidéos dans ma liste de lecture sur les expressions et le français familier. Je vous invite à les consulter. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, faites-le tout de suite, comme ça vous ne raterez pas les prochaines vidéos. Ensuite, je vous propose un guide gratuit qui peut beaucoup vous aider pour mieux comprendre quand est-ce que vous pouvez utiliser du langage familier ou pas. Attention, le langage familier ne s'utilise pas dans tous les contextes, uniquement avec vos amis, dans un contexte que l'on appelle informel. Donc pour mieux comprendre tout ça et ne pas faire d'erreur, je vous invite à télécharger le guide gratuit. Le lien s'affiche tout de suite, vous le retrouvez aussi dans la description de la vidéo. N'hésitez pas, c'est totalement gratuit, vous avez des informations intéressante. Et suite à ce guide, je vous propose un autre guide plus complet encore pour vraiment vous perfectionner dans le français authentique. Donc n'hésitez pas à cliquer. Je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous dis à très très bientôt sur la chaîne YouTube et sur le blog Nathalie Fleu. Au revoir!